Bonjour à tous les amis, nous sommes actuellement à l'OM Campus et nous allons lancer des défis à l'Olympique de Marseille féminine. Elles sont toutes là. Et bam ! Laura Reda, numéro 10, milieu terrain axial, 21 ans. Une belle frappe ! Ouh ! Adélie Fourré, 22 ans, attaquante, numéro 9. Zao Sarah, 19 ans, milieu offensif, numéro 13. Yes ! Ferré Jenny, attaquante, 20 ans, numéro 14. Moi, je demande d'avoir... Les amis, comme vous avez pu le constater, nous avons mis des cibles dans les cages actuellement, mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, il va falloir attraper la transversale. Voilà, Laura, Sarah, Jenny, Adélie. Allez, la première qui va s'élancer, et qui est d'ailleurs très élancée, c'est Sarah Zao. Et paf ! Oh ! C'est passé vraiment à côté ! Mais pour le coup, t'as encore 4 ballons d'essai. Sarah, qui va s'élancer encore une fois, elle frappe ! Et bam ! Voilà ! Tout de suite, la couleur est annoncée pour l'équipe adverse. Pour le coup, c'est le troisième. Paf ! Aïe, 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 c'était vraiment très près. Allez, Sarah, régulier. Paf. Ah, Sarah qui s'élance. Bam. Et c'est largement au-dessus. Thierry Jean-Michel au bord de la pelouse. Sarah Zao, un ballon seulement sur 5. La jeune Adélie Fourré qui s'élance maintenant. Aïe, c'était un peu court, mais c'est normal. Il y a eu la période d'échauffement, c'est son premier ballon. Adélie qui va s'élancer. Elle tire. Le ballon s'en va, transversale pleine pour Adélie Fourré qui se fait une petite Zumba Café. On continue, ça enchaîne. Elle est déterminée. Une frappe. Ah là 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 là. Mais c'est très certainement à cause de mes encouragements. Enflammé. Allez Adélie, 60 000 personnes dans le stade. Allez Adélie, bam. Et là, elle va jouer son dernier ballon. Vas-y Adélie. Oh oui. Sur la dernière. Sur le dernier ballon. Les copains, un petit point score. Donc actuellement, nous avons Sarah qui a mis une seule barre transversale, Adélie qui en a mis deux. Et là tout de suite, aïe 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 aïe, c'est Laura Rueda qui vient de tirer, qui vient de manquer la barre transversale. Laura qui s'élance. Rueda, une belle frappe. Ouh, le dégagement. C'est un peu au-dessus. Sarah est en train de grimacer, mais les encouragements fusent. Bam. Ouh là 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 là. Allez, concentration ultime. Paf. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle celle-là. Et elle tape sur la transversale, si vous avez pu le constater, elle bouge encore. Le dernier shoot. Bam. Et ça va être léger. Tout de suite, Jenny. Jenny mise en place. On rappelle les scores. 2 pour l'équipe Zao Rueda. Et Jenny qui va s'élancer avec déjà un avantage de 2. Allez Jenny, allez. Attention, la frappe de Jenny. Du premier coup. Jenny qui envoie la transversale là-bas du côté de Strasbourg. Allez, ça continue pour Jenny. Jenny qui positionne son ballon, mais alors de manière extraordinaire. Elle prend son temps. Jenny qui s'élance. Bam. Et ça va être un peu court cette fois-ci. Bam encore Jenny. C'était un peu court. Laura, c'est une rageuse. Elle est incroyable. Bam. Oui. Oui. Allez. Le ballon a rebondi sur la barre transversale et est parti très haut dans le ciel. Et il va très certainement retomber mardi ou mercredi aux alentours de 17h. Bah, c'est son dernier à Jenny. Concentration ultime. Positionnement du ballon exceptionnel. Intérieur du prix. Bam. Et il est un peu court. Malheureusement, il est un peu court. Avantage toujours. Adélie, Jenny, on continue. Vous l'avez vu? Je vous ai fait la petite. Comme tu peux le constater, le ballon est positionné de sorte à pouvoir directement s'envoler vers la cible parce que tout de suite, on passe à la précision, les mecs. Allez, le fair play. On se met bien dans l'axe. On respecte un maximum les adversaires. Et parce que aujourd'hui, vous êtes adversaire. On les surnomme les perdantes. Allez, on y va. De coéquipier à adversaire, il n'y a qu'un seul pas. Tout de suite, la précision. Sarah Zao qui fait un bisou au ballon en le déposant délicatement, comme je vous l'ai montré. Bam. Elle a visé celui côté gauche à terre. Malheureusement, c'est un peu à côté. Non, je prends pas ton ballon. Non, mais allez, Zao, je peux y arriver. Oh oui, oh, qu'est-ce qu'on fait? Il y est pas. La vidéo nous le dira. Mais attendez, je regarde là-bas. On veut voir la barre. Je regarde là-bas. Oh oui, oh, qu'est-ce qu'on fait?
Elle y est. Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? C'est accordé, on me dit. C'est accordé. Bah, c'est là-bas. Pied gauche ou pied droit, Deli? Je vais alterner. J'arrive même pas à faire une passe du droit. Adélie, elle alterne. Concentration moyenne, pas ultime. Faut aller vraiment en plein dans la cible. Ou à la rigueur, elle a touché. Elle a alterné. Elle a changé de pied cette fois-ci. Boum! Aïe, il était vraiment pas loin cette fois-ci. Ouais, mais c'était pas loin, mais il n'est pas validé. Il n'y a pas de VAR là. Pas de VAR parce que là, le ballon est parti. Bing! Hop, 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 cette fois-ci, elle a cherché le côté gauche. Toujours pas de ballon dans la cible. Et le tir, malheureusement. Aucune cible pour l'instant pour Laura Rueda. Allez, Jenny, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire quand même? Je pense qu'on va encore les gagner. Il faut juste que j'en mette deux et on va gagner. Alors voilà, la frappe. Après, ça parle de moi. 120, pratiquement dans la lucarne, mais pas dans la cible encore. Moi, je demande d'avoir parce que celui de Zaro, je suis sûr qu'il n'y est pas. Ça dit qu'il est deux. Pour l'instant, le score? Il y a 1-0 pour l'équipe Sarah-Laura. Sarah-Laura, 1-0 au jeu de la précision. Hein. De la précision. Voilà. Après la barre transversale, après la précision dans les cibles, nous allons passer au corner rentrant. Exercice on ne peut plus difficile. Corner rentrant, difficulté 5 étoiles. Moi, je me mets contre le poteau parce que pour voir la courbe et étudier tout ça... Oh, superbe! Superbe! Allez! C'est Jenny. Corner rentrant de Jenny, le deuxième ballon. Il remet de la tête, contrôle et pied gauche tout de suite. Troisième et dernier ballon. On passe de 5 à 3 ballons pour les corners. Jenny qui s'élance. Il est beau. Hop, hop. Il allait être beau. Cette fois-ci, elle a mis trop de courbes. Laura Rueda qui se concentre un maximum. Aïe. Le ballon n'a pas fait une très belle courbe. Je vais me mettre poteau intérieur. Et il passe. Le ballon passe devant les cages. Elle fait des sons. Oui. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Elle a réussi. Un point pour l'équipe Rueda Zao. Adélie qui s'élance. Il est beau. Oui, il est beau. Voilà. Mais est-ce que vous avez vu la frappe? Elle s'est cassée l'os du pied même. Trop de rageux. C'est bien Adélie. Le ballon a tapé ici et est venu rentrer au bercail. Allez Adélie! Attention la marche! C'est pratiquement ça! Eh oui! Et il est rentré! Il est rentré! 2 sur 2 pour Adélie! Attention, là on a un record! Est-ce que tu fais un 3 sur 3? Mais il est frappé, mais il s'est abusé, on dirait un enfant de 6 ans! Et alors, ça va dedans! Mais non, mais on fallait un minimum quand même! Aïe, il est un peu trop! Oh! Il a touché le poteau extérieur! Et il est venu rentrer encore une fois dans la cage! J'aime bien quand ça rage comme ça, j'aime bien. On a un 3 sur 3 pour Adélie. Zao va s'élancer. Corner rentrant, c'est parti. Allez Sarah. Celle-là, c'est à côté. J'ai même pu attraper le ballon. Là, il est vraiment en sécurité. Bon, des ballons comme ça. Et le deuxième, ras de terre, poteau. La victoire se dessine. Mais ça, je l'avais annoncé au début. Pour Jenny et Adélie. Il lui reste un dernier quand même. Elle va tenter de le mettre vraiment. Ah, on est carrément poteau extérieur. Victoire, Colin, Adélie. Défaite, malheureusement, de Sarah Zao et de Laura Rueda. Le talent ne dévoilera pas tout de suite. Félicitations. Bien joué. Merci d'avoir participé. De poussin, l'important, c'est d'avoir participé. Elles ont participé. Voilà. Bravo à vous. Bravo les filles. Bon, les petites réactions là pour les gagnantes. Je suis avec Adélie et Jenny. Adélie, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a gagné. Donc, c'est super. Hein. Dis-moi, au niveau des corners rentrants, c'est toi qui les tires dans l'équipe? Non, moi je mets la tête. Eh, hey, va falloir voir avec tout ça avec le coach. Jenny, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit challenge? Beaucoup trop facile, beaucoup trop facile. On gagne 3-1 à la fin. À la barre, on a gagné. Elles ont gagné que 1-0. Nous, c'était serré. La barre n'était pas bien. Elle n'était pas dedans. Et donc, du coup, on se retrouve très prochainement pour d'autres défis? Bah oui, pas de problème. On les attendra avec impatience. Avec plaisir, on les attend. Allez, salut les mecs. Et ça fait Zumba, café ou carnaval, je suis dans le 4-4 teinté. Mais oui, elles sont dans le 4-4 teinté en Zumba, café. Salut. Salut. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de Loem, justo aquí.